L'an dernier, la vie de Dominique Arpin basculait. Atteint d'un cancer, il a dû subir une dure opération au cours de laquelle on lui a enlevé un rein. Une épreuve qui a définitivement transformé l'homme qu'il est. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche de mes émotions. J'apprécie beaucoup plus les gestes tout simples. Dans les faits, je goûte plus à la vie. Je prends le temps de m'asseoir avec les gens, de les écouter, alors qu'avant, j'étais en train de penser à ce que je manquais sur Twitter. Depuis qu'il est rétabli, Dominique s'entraîne et court pour sa santé. C'est d'ailleurs en réfléchissant au marathon de Montréal qu'il a réussi à passer à travers cette épreuve. Je me suis accroché à mon rêve de courir le marathon. Pour moi, cet événement restera dans le top 3 des grandes réalisations de ma vie. Cette année, Dominique est le porte-parole du Relais pour la vie, une marche de nuit de 12 heures au profit de la Société canadienne du cancer. Il participera à la marche qui aura lieu le 13 juin à Longueuil au parc Michel-Chartrand.